Épidémiologie et évaluation clinique en psychiatrie. Épidémiologie psychiatrique. Définition. L'épidémiologie est l'étude de la distribution des maladies au sein de la population. Elle s'oriente selon trois axes aux objectifs et aux méthodes complémentaires. Épidémiologie descriptive. Elle a pour but d'apprécier la fréquence des maladies au sein d'une population donnée. Elle repose sur l'étude d'indicateurs de santé, mesurant différents phénomènes relatifs à la maladie et à la population observée. Mortalité. Elle mesure la fréquence des décès dus à une maladie dans une population donnée pendant une période déterminée. Morbidité. Elle tente d'évaluer la présence d'une maladie dans une population donnée pendant une période déterminée. La prévalence mesure la fréquence globale de la maladie sur une période donnée. L'incidence précise le nombre de nouveaux cas de la maladie repérés pendant une période donnée. Épidémiologie analytique. Elle a pour but d'étudier les différents paramètres influençant la survenue d'une maladie. Elle repose sur la recherche d'éventuels facteurs de risque pouvant prédisposer au développement du trouble observé, ainsi que sur celle de facteurs pronostiques intervenant dans son évolution. Épidémiologie préventive. Elle a pour but d'étudier les conditions de dépistage et d'intervention à mettre en œuvre dans tel ou tel domaine de la médecine et de la santé publique. Elle propose une approche à la fois scientifique et économique des problèmes de soins et de prévention, en permettant d'élaborer des programmes de santé utiles, adaptés, efficaces et rentables pour l'individu et la collectivité. Place de l'épidémiologie psychiatrique. L'évolution des connaissances a été particulièrement décisive dans trois domaines fondamentaux pour la recherche en psychopathologie. En premier lieu, le spectre des maladies mentales a été mieux défini, à la fois étendu dans son propre champ d'expression et différencié des autres pathologies médicales. Les syndromes psychiatriques proprement dits, les troubles de la personnalité, les pathologies psycho-organiques et les troubles de l'adaptation à un environnement difficile ont ainsi été identifiés de façon plus précise, cohérente, adaptée à l'observation quotidienne. Cette volonté permanente d'adéquation à la clinique a véritablement donné à l'épidémiologie psychiatrique un essor considérable, en la dotant d'outils d'évaluation clinique et de méthodes de recherche systématisées. Le recueil et le traitement d'informations concernant des patients, leurs symptômes ou leurs antécédents ont ainsi pu bénéficier du développement de ces instruments cliniques standardisés. Cet aspect de la méthodologie concernant la nosographie et l'évaluation demeure d'une importance capitale pour la recherche en psychiatrie, tout en continuant d'alimenter de nombreuses polémiques. Le troisième domaine est celui concernant la conception multifactorielle des maladies mentales. Les conditions individuelles et collectives, sociales, psychologiques ou familiales, sont désormais étudiées aux côtés des hypothèses plus fondamentales, neurobiologiques ou génétiques, dans une optique dynamique et interactive du développement des troubles psychiques. L'évaluation des populations vulnérables et des conditions de survenue des maladies mentales permet d'identifier des facteurs de risque et de pronostic afin d'en mieux comprendre la genèse et d'organiser la prise en charge. Spécificité de l'épidémiologie en psychiatrie. Dans toute étude épidémiologique, il est indispensable de définir le phénomène observé et les circonstances dans lesquelles on souhaite réaliser cette observation. Ces deux variables déterminantes, risquant d'influencer la nature et la réalité de la mesure, posent des problèmes particuliers en psychiatrie. Ceux de la définition du cas
et de la population étudiée. Population étudiée. L'accès aux soins des malades susceptibles d'être évalués n'est pas directement lié à la présence d'un trouble mental avéré. Il dépend de nombreux facteurs annexes dont l'incidence sur le dépistage est bien supérieure. Sévérité de la maladie. Elle demeure, comme dans les autres spécialités, l'un des facteurs principaux conditionnant l'accès aux soins et la révélation de la maladie. Ainsi, plus les malades sont déprimés, anxieux ou présentent des troubles graves du comportement, plus ils sont susceptibles d'être amenés à consulter, à être traités et donc évalués. Si la proportion de sujets déprimés est à l'évidence plus grande dans les services spécialisés de psychiatrie qu'en consultation de médecine générale par exemple, cela ne signifie pas que de tels patients n'existent pas en population générale, mais qu'ils s'y trouvent ignorés, ou mieux tolérés, ou mieux adaptés, ou souffrant de formes cliniques différentes de la maladie, non diagnostiquées comme telles. Retentissement fonctionnel. Plus la gravité du trouble mental lui-même, plus que la gravité du trouble mental lui-même, d'ailleurs bien difficile à préciser, le retentissement fonctionnel plus ou moins direct de la maladie constitue un élément déterminant de l'accès aux soins en psychiatrie. Les conséquences sociales, relationnelles, professionnelles ou familiales conditionnent en grande partie le repérage de tel ou tel symptôme évocateur qui pourront alors être mesurés. Un déprimé qui s'isole de sa famille, un jeune schizophrène qui délire bruyamment sur son lieu de travail ou à son domicile, un anxieux social qui réduit peu à peu son champ relationnel seront autant de sujets suspects de désordres psychopathologiques, orientés vers des structures de soins et d'évaluation. Adaptation contextuelle. Le retentissement fonctionnel de la maladie dépend grandement du contexte dans lequel celle-ci s'installe. L'impact et la tolérance de bizarreries dans le comportement, de troubles de l'efficience ou d'une inhibition psychomotrice ne sont pas les mêmes suivant le niveau social, culturel ou éducatif dans lesquels ils s'inscrivent. Le délire d'un jeune homme isolé, sans travail, sera moins vite repéré que l'accès maniaque d'une femme d'affaires en pleine activité. Les facteurs sociodémographiques occupent une place prépondérante dans l'observation des maladies mentales, l'accès aux soins s'avérant différent selon ces paramètres environnementaux. Des facteurs psychologiques individuels interviennent bien sûr à ce niveau, en déterminant pour chaque malade la façon de percevoir, de comprendre et de juger ses propres symptômes. L'identification de la nature, de l'origine, de la gravité ou de la réalité même des symptômes perçus conditionne directement la motivation à consulter et l'identité des structures de soins sollicitées. L'observation psychiatrique proprement dite sera par exemple difficile chez un sujet anxieux souffrant d'un trouble panique qui va de cardiologue en médecin généraliste pour explorer ses palpitations et ses vertiges, ou chez un délirant hypochondriaque à la recherche d'une indétectable tumeur intestinale. Méthodologie actuelle. La conception d'études épidémiologiques en psychiatrie nécessite la prise en compte des interactions complexes existant entre un patient, les plaintes motivant une demande de soins, les médecins consultés et la pathologie mentale sous-jacente. Donc la conception d'études épidémiologiques en psychiatrie nécessite la prise en compte des interactions complexes existant entre un patient, les plaintes motivant une demande de soins, les médecins consultés et la pathologie mentale sous-jacente. Le repérage des symptômes exprimés va dépendre de la place du malade au sein du système de soins. À chaque niveau d'observation, population générale, médecin généraliste, médecin spécialiste, psychiatre, hospitalisation. Donc à chaque niveau d'observation, les patients souffrant de troubles psychiatriques
seront diagnostiquées ou ignorées selon la nature de leurs plaintes, la qualité de leurs symptômes, les conséquences de leurs troubles, l'attitude de l'entourage et des médecins sollicités, n'évaluant pas forcément la réalité des problèmes. Les sujets atteignant le milieu psychiatrique spécialisé sont finalement ceux atteints de maladies graves, en retentissement fonctionnel bruyant, au retentissement fonctionnel bruyant, sévère ou invalidant, ou encore les patients conscients des problèmes psychologiques réels devant lesquels ils demandent une prise en charge spécifique. La définition d'une population à étudier doit donc considérer les caractéristiques méthodologiques propres à la spécialité. Savoir ou observer ce que l'on veut étudier demeure la question fondamentale pour contrôler au maximum les biais de recrutement et de mesure et éviter les interprétations abusives. Il existe ainsi plusieurs méthodes permettant d'atteindre au mieux ces objectifs. Les enquêtes réalisées en psychiatrie. Effectuées sur des patients consultants ou hospitalisés en psychiatrie, ces enquêtes permettent de concentrer le recrutement de certaines pathologies afin d'en étudier les caractéristiques cliniques, psychopathologiques, évolutives ou thérapeutiques particulières. Les enquêtes réalisées en médecine générale ou spécialisée. Ces enquêtes permettent d'élargir le recrutement en évaluant la répartition des sujets souffrant de troubles mentaux amenés à consulter ou à être hospitalisés en médecine générale ou spécialisée. Donc les enquêtes réalisées en médecine générale ou spécialisée, donc ces enquêtes permettent d'élargir le recrutement en évaluant la répartition des sujets souffrant de troubles mentaux amenés à consulter ou à être hospitalisés en médecine générale ou spécialisée. Les enquêtes d'échantillons. Réalisées sur des groupes homogènes de sujets les plus représentatifs d'une population donnée, elles permettent de contrôler au mieux certaines variables susceptibles d'intervenir dans la pathologie étudiée. Variables démographiques, socio-économiques, environnementales. Parmi celles-ci, les enquêtes réalisées sur des tranches d'âge permettent de suivre des sujets pendant une durée déterminée, afin d'évaluer l'incidence et l'évolution des maladies mentales sur des cohortes observées à intervalles de temps réguliers. Les enquêtes réalisées en population générale. Réalisées sur des collectivités entières, elles demeurent les plus séduisantes sur le plan conceptuel, mais soulèvent d'énormes difficultés méthodologiques. Elles nécessitent des études multicentriques, longitudinales, utilisant des instruments de mesure et d'évaluation diagnostique standardisés, à la base du recueil de nombreuses informations dont la manipulation est délicate. Le cas étudié. La définition du cas à étudier demeure la principale problématique en épidémiologie psychiatrique du fait de trois raisons essentielles. Les maladies mentales elles-mêmes. Donc il y aura les maladies mentales elles-mêmes, les patients et les soignants sollicités dans les principales problématiques en épidémiologie psychiatrique. Donc d'abord les maladies mentales elles-mêmes. Les troubles mentaux ont des expressions cliniques souvent riches, mais polymorphes, d'allure changeante, différentes suivant les populations étudiées. Il existe bien sûr des tableaux cliniques caractéristiques, mais ce n'est pas toujours le cas. Une dépression ne s'exprime pas de la même façon chez un adolescent, un adulte jeune ou un sujet plus âgé. Certains délires sont productifs, d'autres plus insidieux. Définir des syndromes cliniques représentatifs demeure une tâche prioritaire au cours d'une enquête épidémiologique. Divers troubles mentaux sont par ailleurs souvent associés chez un même malade, la comorbidité ne simplifiant pas la démarche diagnostique. Les patients. Les plaintes des malades peuvent être multiples et hétérogènes, les demandes floues ou ambiguës, ne révélant pas d'emblée la vraie nature des problèmes. Un patient trop méfiant n'exprimera pas ses préoccupations délirantes, un déprimé culpabilisé ruminera sa souffrance,
Un agoraphobe n'exhibera pas sa difficulté à prendre le métro qu'il trouve ridicule. Là encore, c'est le dépistage systématique de symptômes évocateurs qui doit être encouragé pour faciliter l'observation. Les soignants sollicités. Les médecins ou tout autre professionnel de santé joue un rôle fondamental dans l'observation des cas étudiés au sein d'une enquête. La formation de chacun, la sensibilité à certains facteurs ou la propre vision des choses ne permettent pas toujours de fournir des avis convergents devant l'histoire ou les symptômes d'un patient commun. La définition des pathologies étudiées doit être la plus consensuelle possible pour une homogénéisation maximum des observations. Donc les soignants sollicités, les médecins ou tout autre professionnel de santé jouent un rôle fondamental dans l'observation des cas étudiés au sein d'une enquête. La formation de chacun, la sensibilité à certains facteurs ou la propre vision des choses ne permettent pas toujours de fournir des avis convergents devant l'histoire ou les symptômes d'un patient commun. La définition des pathologies étudiées doit être la plus consensuelle possible pour une homogénéisation maximum des observations. Facteurs de risque en psychiatrie. L'épidémiologie analytique se propose d'étudier les relations existantes entre des facteurs individuels ou environnementaux et l'évolution de certains processus morbides. Si ces préoccupations s'inscrivent avant tout dans un courant de recherche à visée explicative, son développement en psychiatrie se limite le plus souvent à une démarche pragmatique visant à observer plutôt qu'à expliquer les phénomènes en cause. L'objectif est finalement de déterminer des profils de patients dont l'exposition à certains facteurs les rend particulièrement vulnérables à un trouble psychopathologique, pour lequel on peut alors élaborer des hypothèses concernant sa nature et son origine. Cette relative spécificité de l'épidémiologie en psychiatrie provient de caractéristiques propres à la matière. Alors, la difficulté à réaliser des expériences in vitro permettant de tester scientifiquement les hypothèses élaborées suite à l'observation d'éventuels indices explicatifs. Donc on avait cette relative spécificité de l'épidémiologie en psychiatrie provient de caractéristiques propres à la matière. Donc il y a trois caractéristiques. Donc premier petit tiret, la difficulté à réaliser des expériences in vitro permettant de tester scientifiquement les hypothèses élaborées suite à l'observation d'éventuels indices explicatifs. La recherche est essentiellement clinique, prospective, ambitieuse sur le plan méthodologique. Deuxième petit tiret. La difficulté à définir et à suivre de façon longitudinale des entités pathologiques précises, valides, en l'absence de marqueurs paracliniques authentifiant la réalité du trouble. Entre parenthèses, prise de sang, radiographie, examen complémentaire. Troisième petit tiret. La difficulté à concevoir une alternative sérieuse à l'origine multifactorielle des maladies mentales. Aucun modèle explicatif n'a pu s'avérer pertinent dans la recherche de causes directes, univoques, aux maladies mentales. Les modèles étiopathogéniques, suspectés, ne peuvent donc être Les modèles étiopathogéniques suspectés ne peuvent donc être que multiples et intriqués, difficiles à élucider et à valider sur le plan expérimental. L'étude des facteurs de risque en psychiatrie souligne l'importance des facteurs sociodémographiques, environnementaux et individuels. Facteurs sociodémographiques. Les principaux facteurs sociodémographiques constituent des variables sensibles en épidémiologie psychiatrique. Sexe. Le sexe. Homme ou femme. Ce facteur joue un rôle déterminant dans la plupart des maladies mentales. Les femmes sont en majorité plus exposées que les hommes à la survenue d'un trouble psychiatrique. Ainsi en est-il tout particulièrement de la dépression et des troubles anxieux,
touchant près de deux fois plus de femmes que d'hommes. Les troubles des conduites alimentaires sont largement surreprésentés dans le sexe féminin. Entre parenthèses, 90% des anorexies mentales sont retrouvées chez des jeunes femmes. À l'opposé, l'alcoolisme ou les troubles des conduites antisociales sont plus répandus chez l'homme. La fréquence de la schizophrénie ou de la maladie maniaco-dépressive est, en revanche, à peu près identique dans les deux sexes. Peu d'hypothèses formelles génétiques, biologiques ou psychologiques permettent de rendre compte de ces inégalités. Il est probable que ces observations résultent en partie d'un meilleur accès aux soins des femmes, chez qui le dépistage est donc facilité. Âge, donc l'âge. Le risque global d'exposition à une maladie mentale croît avec l'âge. Cependant, les problèmes méthodologiques soulevés par cette question sont nombreux et délicats, l'évaluation comparative n'étant pas toujours facile devant des symptômes exprimés différemment suivant les tranches d'âge. De plus, ce facteur lié à l'âge est très dépendant d'autres variables sociodémographiques comme le sexe, le statut marital ou professionnel. Il semble par exemple que la fréquence des dépressions ait tendance à augmenter avec l'âge chez l'homme, tandis qu'elle serait plus élevée chez la femme jeune. Il faut en outre dissocier l'âge de survenue des premiers symptômes d'une maladie éprouvée par le malade lui-même et l'âge de la première observation par le milieu médical. Pour la schizophrénie par exemple, l'éclosion des premiers symptômes chez l'homme serait ainsi contemporaine de leur révélation, du fait de leur caractère bruyant, troubles du comportement, agressivité, violence relationnelle. Chez la femme, en revanche, l'âge de dépistage plus tardif s'expliquerait entre autres par la meilleure tolérance des symptômes inauguraux, moins visibles, révélés plus tard. Statut social. La plupart des enquêtes retrouvent une corrélation positive entre un bas niveau socio-économique, et l'existence d'un trouble mental, en particulier pour la dépression. Le phénomène semble en revanche moins net pour la maladie maniaco-dépressive, un peu plus fréquente dans les milieux élevés. Là encore, les études se heurtent à de nombreux biais méthodologiques, du fait notamment de la difficulté à définir des critères socio-économiques homogènes, peu dépendants des niveaux éducatifs ou culturels. Statut marital. Son rôle dépend largement de facteurs liés à l'âge et au sexe. Chez l'homme, par exemple, le mariage a tendance à protéger de la dépression, tandis que le veuvage ou le célibat constituent des facteurs de risque. À l'inverse, les femmes mariées ont un taux plus élevé de dépression que les hommes du même âge, mais semblent moins vulnérables quand elles sont séparées ou célibataires. Ces différents facteurs sociodémographiques sont étroitement intriqués les uns avec les autres, constatation rendant délicate l'évaluation et l'étude spécifique de chacun d'entre eux. L'impact d'un divorce, d'un deuil ou de la perte d'un emploi sera différent selon le contexte et le soutien familial, social ou professionnel. Les conséquences psychopathologiques vont ainsi dépendre des rapports complexes développés entre ces variables sociodémographiques et d'autres facteurs environnement ou individuels intervenant dans la genèse des maladies mentales. Facteurs environnementaux. La notion d'environnement prédisposant à la survenue d'un trouble mental entretient le débat sur le rôle des événements de vie susceptibles de précipiter la maladie chez un sujet exposé. La recherche dans ce domaine tend à se développer dans trois directions complémentaires concernant la nature, l'impact et les conséquences des événements suspectés. Nature de l'événement. Les chercheurs se sont toujours heurtés au délicat problème de l'évaluation psychosociale des événements de vie. Le recensement, fondé sur le sens commun, donné à telle ou telle situation,
n'apporte que des informations incomplètes, réductrices, dont l'aspect uniquement quantitatif ne contribue pas à un débat pertinent. Le décès d'un proche constitue à l'évidence un événement marquant pour la plupart des individus. Mais qu'en est-il des expériences de séparation, de rupture, de changement professionnel ou géographique? L'évaluation demeure très individuelle, dépendante de la situation et des aspirations de chacun. De plus, le recueil rétrospectif reste soumis à un biais de remémoration incontournable, faussant les interprétations et les hypothèses déductives. Enfin, il ne suffit sans doute pas qu'un événement soit violent, aigu, brutal et remarqué pour être déterminant dans la survenue d'un trouble mental. Une succession d'expériences récurrentes, répétitives, stéréotypées, évocatrices d'un traumatisme inaugural, difficile à repérer dans le temps, peut en effet être tout aussi pathogène pour un individu. Impact de l'événement. Le rôle des événements de vie dans la genèse d'un trouble mental doit s'étudier à travers l'appréciation individuelle des circonstances. Les écueils méthodologiques proviennent de l'immense difficulté à évaluer de façon standardisée les jugements, les avis, les interprétations et les attentes individuelles sollicitées face à ces événements. Ces positions dépendent du contexte, de la personnalité, des antécédents du sujet concerné, ainsi que des réactions immédiates et des conséquences à plus long terme. Quelle que soit leur nature, ce sont les événements perçus comme indésirables, imprévisibles, menaçants et incontrôlables qui s'avèrent les plus délétères. Toutes ces variables sont subjectives, peu valides, extrêmement difficiles à quantifier, mais font l'objet de recherches ambitieuses dans ce domaine de la psychopathologie. Conséquences de l'événement. Quelle que soit la nature et l'impact des événements observés dans l'environnement des malades, la question d'un hypothétique lien de causalité existante entre ces phénomènes et la maladie en cause demeure la question cruciale. L'imputabilité est impossible à prouver in vitro, difficile à étayer in vivo. Il se mêle dans le vécu du patient, les symptômes de la maladie et les différents éléments contextuels ou anamnestiques dont il est finalement quasiment impossible de retracer la séquence véritable. La notion de psychopathologie de réaction est devenue un concept ambigu, peu valide et non pertinent, pour tenter de comprendre le développement et l'évolution des maladies mentales. La recherche dans ce domaine s'oriente désormais vers des études psychopathologiques plus précises, s'intéressant aux interactions déterminantes susceptibles d'intervenir entre une certaine prédisposition d'origine sociale, psychologique ou biologique et l'impact propre à chaque événement dont l'appréciation reste individuelle. Facteurs individuels. L'étude des facteurs individuels évoqués dans la pathologie mentale a fait l'objet de très nombreuses recherches. Celles-ci s'articulent autour de pôles dominants. Facteurs génétiques, facteurs neurobiologiques, facteurs psychologiques et facteurs neuropsychologiques. Alors, tout d'abord, donc l'étude des facteurs individuels évoqués dans la pathologie mentale a fait l'objet de très nombreuses recherches. Celles-ci s'articulent autour de pôles dominants, donc facteurs génétiques. Les études familiales nécessitent des protocoles lourds et difficiles à réaliser sur des cohortes de malades et leur entourage. Elles ont permis de mettre en évidence l'importance des facteurs héréditaires dans le cadre de la schizophrénie et de la maladie maniaco-dépressive. Ces observations sont cependant délicates à interpréter, mêlant des hypothèses génétiques, sociales et éducatives. Rares sont les études explorant scientifiquement ces différentes variables. Cet objectif nécessitant, il est vrai, une méthodologie rigoureuse. Comparaison de jumeaux mono et dizygotes, prise en compte du milieu familial,
études sur des enfants adoptés, évaluation de l'environnement socio-éducatif. Le recours à des techniques modernes de dépistage génétique permet d'envisager des études scientifiques performantes dans ce domaine. Facteurs neurobiologiques. Les études neurobiologiques effectuées chez l'homme trouvent souvent leur place dans le cadre de protocoles psychopharmacologiques étudiant l'effet plus ou moins spécifique de médicaments sur une fonction neurochimique centrale. L'épidémiologie analytique rejoint ici l'expérimentation plus fondamentale en recrutant des groupes de malades homogènes qui vont être traités, suivis et comparés à intervalles de temps réguliers. Les explorations neurobiologiques font appel à la mesure périphérique, urine, sang, liquide céphalorachidien, de substances censées témoigner de l'activité de certains neurotransmetteurs. La recherche de tels marqueurs biologiques s'avère cependant de plus en plus controversée. Si des anomalies sont en effet souvent repérées chez les malades, il est difficile d'interpréter de tels résultats comme étant la cause exclusive du trouble observé. Des dysfonctionnements monoaminergiques ont ainsi été incriminés dans la genèse des troubles dépressifs ou schizophréniques. Ces observations justifient l'utilisation de traitements médicamenteux spécifiques, mais ne représentent sans doute qu'un indice de la maladie ou de la vulnérabilité individuelle. Facteurs psychologiques. Leur étude représente un champ d'investigation plus vaste et plus complexe. Parmi ceux-ci, notons l'importance croissante accordée aux recherches concernant les troubles de la personnalité, pouvant intervenir en tant que terrain prédisposant à un trouble mental, dépressif en particulier. Les problèmes de méthodologie et d'évaluation demeurent là encore déterminants. Les variables mesurées s'avérant complexes, subjectives, dépendantes de nombreux autres facteurs sociaux ou culturels. Facteurs neuropsychologiques. La neuropsychologie est un domaine dans lequel la recherche est en plein essor. Elle consiste en l'étude de fonctions cognitives telles que l'attention, la perception, le maintien et l'utilisation d'informations stockées en mémoire. Alliance scientifique entre la psychologie et la neurobiologie, elle utilise des techniques d'exploration fonctionnelle permettant de modéliser les processus impliqués dans la représentation et la compréhension des circonstances. Entre parenthèses, tâches attentionnelles, épreuves de mémoire, PET scan, fermez la parenthèse. Des études ont ainsi souligné l'existence de certaines caractéristiques cognitives susceptibles de témoigner d'une vulnérabilité neuropsychologique dans la pathologie anxieuse, dépressive ou schizophrénique. Évaluation clinique en psychiatrie. Classification diagnostique. Développement des classifications. De tout temps et dans toutes les spécialités, la médecine a tenté de mettre en rapport des symptômes exprimés par les malades avec les origines suspectées de la maladie en cause. L'objectif a toujours été de comprendre et d'expliquer pour proposer une classification médicale instructive et causale. La découverte d'agents infectieux, d'anomalies génétiques, de malformations ou de tumeurs a ainsi permis d'élucider de nombreuses pathologies. En l'absence d'étiologie précise, une discipline se trouve dans une situation délicate, tel est le cas pour la psychiatrie. Des hypothèses étiologiques ont cependant été proposées, servant alors de trame à des ébauches de classification. Se référant à l'existence de certaines anomalies survenant lors de phases particulières du développement de l'enfant, la psychanalyse oppose ainsi des pathologies d'allure névrotique aux symptômes accessibles à un certain entendement, à des troubles psychotiques dont les caractéristiques développementales seraient différentes, les symptômes étant plus graves, moins compréhensibles. Les pharmacologues, de leur côté, ont tenté de définir des maladies suivant les anomalies biochimiques,
corrigée par des médicaments spécifiques. Des dépressions endogènes seraient ainsi causées par un dérèglement intrinsèque de certains neurotransmetteurs. À la différence de dépressions dites exogènes ou secondaires, impliquant moins de phénomènes neurobiologiques. Quel que soit le modèle, les mécanismes évoqués demeurent complexes, abstraits et peu accessibles à la validation, leur existence ne les rendant d'ailleurs pas forcément responsables du trouble en présence. Pour sortir de ces différentes impasses, les psychiatres contemporains en sont revenus à des classifications fondées sur l'observation symptomatique et évolutive des malades. Outre l'impossibilité déjà évoquée à proposer une approche étiopathogénique aux maladies mentales, la psychiatrie se caractérise également par la difficulté à définir des maladies et leurs symptômes les plus évocateurs, l'importance attribuée à la subjectivité de l'examinateur dans l'observation des patients et la grande hétérogénéité clinique des pathologies en cause. Ces principaux arguments plaident en faveur d'une approche descriptive standardisée des maladies mentales. Les classifications diagnostiques en usage reposent donc sur un modèle clinique privilégiant les symptômes les plus facilement observables. Ceux-ci sont regroupés en syndromes dont la description caractérise au mieux des entités cliniques remarquables. Ces différentes catégories sont constituées chacune d'une constellation de critères nécessaires au diagnostic, certains d'entre eux s'avérant indispensables, d'autres facultatifs mais très évocateurs. Le but de cette nomenclature est de fournir une définition consensuelle de tel ou tel trouble mental, avec une bonne fidélité interjuge permettant l'homogénéisation maximum des patients qui répondent à ces critères. Description des classifications. Il existe actuellement deux systèmes de classification internationale fondés sur l'utilisation systématique de critères diagnostiques. Le DSM, Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, instrument américain dont la quatrième version est actuellement en usage, et l'ICD, International Classification Diseases, développé par l'OMS, dont la dixième version consacre un important chapitre aux troubles mentaux. Si l'ICD-10 propose une description détaillée de chaque trouble mental, l'évaluation demeure cependant en partie laissée à l'appréciation de l'observateur. Le DSM-4 offre pour sa part la version la plus achevée de ce genre de classification. Ce manuel est fondé sur un travail considérable accompli depuis une vingtaine d'années, assurant le recueil et l'analyse de très nombreuses informations concernant les symptômes et l'évolution des troubles étudiés. Cette classification obéit à deux grands principes fondamentaux. L'approche du DSM est athéorique, en ce qui concerne les causes susceptibles d'expliquer le développement des troubles mentaux. Cette position permet d'éviter les qualitatifs abstraits sous-tendus par d'hypothétiques mécanismes étiopathogéniques. Les termes endogènes, réactionnels, névrotiques ou psychotiques n'apparaissent presque plus du fait de l'inconsistance et de l'ambiguïté de leur définition. Les différents syndromes cliniques réunissent des ensembles de symptômes associés avec une grande fréquence. Les états dépressifs, autrefois éparpillés entre les psychoses, les névroses, les épisodes réactionnels, endogènes, primaires ou secondaires, se retrouvent par exemple sous la seule rubrique des troubles affectifs. Des critères simples permettent de caractériser le trouble dépressif majeur, entre parenthèses dépression aiguë, ou le trouble dysthymique, entre parenthèses dépression chronique, selon la durée d'évolution. Donc les épisodes, des critères simples permettent de caractériser le trouble dépressif majeur ou le trouble dysthymique
selon la durée d'évolution. Il en est de même pour la pathologie anxieuse, trop longtemps abandonnée dans le vaste champ des névroses, maintenant rassemblée au sein des troubles anxieux pour permettre une approche plus sereine et plus consensuelle. La deuxième grande originalité du DSM est son évaluation multiaxiale. Cette classification propose en effet une conceptualisation pragmatique et opérationnelle des troubles mentaux. La pathologie d'un patient s'évalue ainsi selon plusieurs axes. Axe 1. Il concerne les syndromes cliniques évolutifs ayant le plus souvent motivé la prise en charge. Le syndrome dépressif majeur, le trouble panique, l'anorexie mentale par exemple. Donc, axe 1. Il concerne les syndromes cliniques évolutifs ayant le plus souvent motivé la prise en charge, comme le syndrome dépressif majeur, le trouble panique, l'anorexie mentale par exemple. Les grands chapitres retrouvés dans cette rubrique sont les suivants. Les troubles apparaissant habituellement durant la première et la deuxième enfance ou à l'adolescence. Le délirium, la démence, le trouble amnésique et autres troubles cognitifs. Les troubles mentaux dus à une affection médicale générale. Les troubles liés à l'utilisation de substances toxiques, les schizophrénies et autres troubles psychotiques, les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les troubles somatoformes, les troubles factices, les troubles dissociatifs, les troubles sexuels et de l'identité sexuelle, les troubles de conduite alimentaire, les troubles du sommeil, les troubles du contrôle des impulsions non classées par ailleurs, et les troubles de l'adaptation. Donc ça, c'était l'axe 1. Axe 2. Il concerne les troubles de la personnalité et les troubles spécifiques du développement survenant chez l'enfant. Plusieurs diagnostics peuvent être portés sur l'un ou l'autre de ces deux axes. Un syndrome dépressif majeur peut survenir chez une jeune patiente présentant un trouble boulimique et souffrant d'une personnalité limite, par exemple. Axe 3. Il détermine les affections organiques contemporaines du trouble mental observé. Axe 4. Il permet d'évaluer la sévérité des facteurs de stress psychosociaux qui se sont produits pendant l'année écoulée, auxquels a été confronté le malade et qui ont pu éventuellement jouer un rôle dans la survenue ou l'entretien du trouble. Plusieurs catégories ont été définies. Problème avec le groupe de support principal, la famille. Problèmes liés à l'environnement social, problèmes d'éducation, problèmes professionnels, problèmes de logement, problèmes économiques, problèmes d'accès aux services de santé, problèmes en relation avec les institutions judiciaires ou pénales. Et enfin, l'axe 5, il évalue le niveau d'adaptation et de fonctionnement de l'individu au moment de l'observation, ainsi que le niveau le plus élevé dans l'année écoulée. Il permet de mesurer l'impact de la maladie sur le patient et ses conséquences familiales, sociales ou professionnelles. L'évaluation se fait sur une échelle de 1, qui correspond à un danger persistant d'auto- ou d'hétéro-agression grave ou incapacité durable à maintenir une hygiène corporelle minimum ou geste suicidaire avec attente précise de la mort. Donc ça, c'est pour l'échelle 1, et cette échelle, elle va jusqu'à 100, donc échelle de 1 à 100, et quand on arrive à 100, c'est absence de symptômes, niveau supérieur de fonctionnement dans une grande variété d'activités. Donc là, plus le chiffre est haut, moins le danger est grand, plus le chiffre est bas, plus le danger est important. Application et limite de classification. Cette approche, strictement catégorielle, ne prétend pas représenter la vérité absolue en matière de connaissance et de définition des troubles envisagés. La vocation du clinicien et du thérapeute n'est pas de ranger les patients dans des boîtes diagnostiques hermétiques, mais bien d'écouter, de comprendre, d'aider la personne à évoluer ou à guérir. L'intérêt de tels outils est avant tout scientifique et expérimental, permettant l'observation différenciée,
le suivi méthodique et l'étude standardisée de groupes de malades homogènes. Ces classifications diagnostiques seront sans aucun doute amenées à développer leur pertinence et leur validité en améliorant la représentation globale d'un individu atteint d'une pathologie mentale. La tendance à la prise en compte de nouveaux facteurs environnementaux, entre parenthèses conditions d'apparition des troubles, développementaux, entre parenthèses historique de l'individu face à ces troubles, et psychopathologiques, entre parenthèses mécanismes d'adaptation de l'individu, va d'ailleurs dans le sens d'un tel enrichissement. Donc sans les parenthèses, ça donne la tendance à la prise en compte de nouveaux facteurs environnementaux, développementaux et psychopathologiques va d'ailleurs dans le sens d'un tel enrichissement. Et donc ces facteurs sont conditions d'apparition des troubles, historique de l'individu face à ces troubles et mécanismes d'adaptation de l'individu. Les instruments d'évaluation clinique. Principe de la mesure. Outre l'identification diagnostique permettant pour chaque cas de définir la présence ou l'absence d'un trouble mental, il apparaît également très important de pouvoir proposer une approche quantitative des phénomènes observés. Tel patient déprimé s'améliore-t-il sous traitement? Plusieurs sujets anxieux sont-ils comparables pour être inclus dans un protocole d'étude? Des malades hospitalisés en médecine sont-ils particulièrement exposés à un trouble de l'adaptation anxieux ou dépressif? De nombreux instruments d'évaluation clinique ont ainsi été développés pour tenter de mesurer tel ou tel facteur. Les comportements, les pensées et les émotions représentent les cibles principales de ces outils psychométriques dont la mise au point repose sur un très long travail d'analyse clinique et statistique. Les qualités métrologiques essentielles d'un instrument de mesure doivent en effet lui conférer donc les qualités métrologiques essentielles d'un instrument de mesure doivent en effet lui conférer une maniabilité et un intérêt optimum. Un tel instrument doit posséder trois petits tirets. Premier petit tiret, donc un tel instrument doit posséder une bonne validité pour aborder au plus près la réalité du phénomène observé. Une bonne sensibilité pour pouvoir apprécier avec précision un certain degré de changement des variables observées. Une bonne fidélité pour pouvoir reproduire des scores stables, cohérents et représentatifs lors de deux évaluations réalisées successivement. Entre parenthèses, fidélité test, retest. Ou par deux observateurs distincts, entre parenthèses, fidélité interjuge. Ces instruments se présentent sous les formes suivantes. Donc je reprends rapidement les instruments. Premièrement, une bonne validité. Deuxièmement, une bonne sensibilité. Et troisièmement, une bonne fidélité. Donc la validité, c'est pour aborder au plus près la réalité du phénomène observé. La sensibilité, pour pouvoir apprécier avec précision un certain degré de changement des variables observées. Et enfin, une bonne fidélité pour pouvoir reproduire des scores stables, cohérents et représentatifs lors de deux évaluations réalisées successivement. Donc soit on fait un test et on refait le test et les deux tests donnent le même résultat, ou alors on donne à faire le test par deux observateurs différents et si les deux observateurs donnent le même résultat, on appelle ça une fidélité interjuge. Ces instruments se présentent sous les formes suivantes. Alors, échelle d'hétéroévaluation. Elles sont remplies par un observateur cotant les symptômes à la suite d'un entretien clinique. Leur maniement nécessite un entraînement particulier effectué à l'aide de séances vidéo permettant d'affiner la cotation face au malade. Questionnaires d'auto-évaluation. Ils sont fournis aux patients eux-mêmes afin qu'ils les remplissent en fonction de leurs propres sentiments.
Le problème provient ici de la compréhension des propositions faites aux malades et de la sincérité des réponses délivrées. Le principe de la mesure est le même quelle que soit la version envisagée. Alors, petit 1, repérer les symptômes. Petit 2, mesurer chacun de ces symptômes. Petit 3, déterminer un score global. Alors, tout d'abord, donc le principe de la mesure est le même, quelle que soit la version envisagée. Repérer les symptômes, mesurer chacun de ces symptômes, déterminer un score global. Repérer les symptômes les plus évocateurs de la pathologie étudiée, humeur, ralentissement, sommeil, appétit pour la dépression par exemple, inquiétude, inhibition, hyperactivité neurovégétative pour l'anxiété. Donc ça c'était repérer les symptômes les plus évocateurs. Mesurer chacun de ces symptômes à l'aide d'une échelle cotant la plainte de 0 à 5 par exemple. Et enfin, déterminer un score global en additionnant les notes obtenues pour chaque symptôme afin de quantifier l'intensité du phénomène observé. Chacun de ces outils résulte d'une construction élaborée et validée au gré des expériences. Certains d'entre eux sont utilisés depuis plus de 20 ans dans la pathologie anxieuse ou dépressive, par exemple, ayant fait la preuve de leur intérêt et de leur fiabilité. Nature de l'évaluation. Il existe trois grands types d'instruments d'évaluation. Alors, les instruments d'évaluation de psychopathologie générale. Ils ont pour but de dépister en population générale, en médecine de ville ou chez des patients hospitalisés en médecine, des éléments de vulnérabilité psychopathologique, voire d'authentique pathologie mentale évolutive. Les troubles du sommeil, la dépression, l'anxiété, la tendance à la somatisation constituent des exemples de facteurs susceptibles d'être évalués de la sorte. On utilise le plus souvent des auto-questionnaires remplis par les sujets eux-mêmes. Alors, la HSCL. Hopkins Symptom Checklist, qui a 58 items, et la SCL90R, Symptom Checklist, qui a 90 items, sont les instruments les plus utilisés. Le nombre d'items recensés dans chaque questionnaire est souvent important, variable suivant les versions, visant à recueillir de nombreuses informations sur les plaintes et les symptômes des patients. Le GHQ, General Hilt Questionnaire, a 12, 28 ou 60 items. Permet plus spécifiquement de dépister et de discriminer les symptômes anxieux et dépressifs. Le BPRS, Brief Psychiatric Rating Scale, est un instrument d'hétéroévaluation mesurant la présence de symptômes dans de nombreux domaines de la psychopathologie, en particulier dépressive, délirante et hallucinatoire. Ensuite, les instruments d'évaluation d'une pathologie donnée. Anxiété. Les outils d'évaluation de l'anxiété sont nombreux. L'échelle d'hétéroévaluation de référence est l'échelle d'Hamilton Anxiété, dont le score global apprécie le niveau d'angoisse en prenant largement en compte sa dimension somatique. Des auto-questionnaires permettent de distinguer les notions d'anxiété-état et d'anxiété-trait, en précisant les caractéristiques anxieuses de la personnalité d'un individu, entre parenthèses, questionnaire de Spielberger. D'autres recensent la nature des situations anxiogènes telles qu'elles sont perçues par un malade. Donc d'autres questionnaires recensent la nature des situations anxiogènes telles qu'elles sont perçues par un malade. Questionnaire des peurs de Marx. Fear Survey Cheadle de Woolpe. Excusez pour mon anglais, je n'en ai pas. Donc ça, c'était pour l'anxiété. Pour la dépression, les échelles d'hétéroévaluation de la dépression de référence sont les échelles d'Hamilton Depression et la MADRS, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale.
Celles-ci sont fréquemment utilisées pour définir des groupes homogènes de malades déprimés ou pour suivre l'évolution thérapeutique de patients sous traitement médicamenteux. Des auto-questionnaires de dépression sont également d'un usage courant, comme le questionnaire de Beck ou le QD2A, questionnaire abrégé de dépression de Pichot. Pour la schizophrénie, la complexité de cette pathologie justifie le recours à des instruments d'évaluation indispensables pour la recherche concernant la maladie, ses formes cliniques, son évolution et son traitement. Trois échelles d'hétéroévaluation tentent de distinguer les différents symptômes productifs, délirants, hallucinatoires ou déficitaires du trouble. Il s'agit de la SANS, Scale for Assessment of Negative Symptoms, et de la SAPS, Scale for Assessment of Positive Symptoms, d'Andresen, ainsi que la PANSS, Positive and Negative Syndrome Scale, de M. Kay. Donc ça, c'était pour les instruments d'évaluation d'une pathologie donnée. On a vu anxiété, dépression, schizophrénie. Maintenant, les instruments d'évaluation spécifiques. Le développement d'instruments d'évaluation en psychiatrie a subi un essor considérable au cours de ces dernières années. En dehors des grands syndromes cliniques caractérisés, de très nombreux outils ont été utilisés pour mesurer tel ou tel paramètre particulier dont l'étude est approfondie. Les conduites alimentaires, l'EAT ou Eating Attitude Test de Gardner, l'adaptation sociale, le questionnaire de Rattus, l'estime de soi, le questionnaire de Coppersmith, divers troubles émotionnels comme l'anhédonie, le questionnaire de Chapman, l'alexithymie, le questionnaire de Taylor, ou l'hostilité, le questionnaire de Buss et Durkee, représentent des exemples parmi d'autres de comportements, de fonctions ou de concepts dont l'évaluation peut être envisagée. Sans vouloir prôner une idéologie dimensionnelle affectant à chaque individu une note mesurant ses comportements, ses pensées ou ses émotions, le recours aux instruments d'évaluation s'avère déterminant en psychiatrie. Tant pour la recherche qu'en pratique quotidienne, la volonté d'objectiver et de mesurer les phénomènes étudiés ne peut que renforcer le déterminisme scientifique de la réflexion concernant les malades mentales. Fin de la lecture du chapitre « Épidémiologie et évaluation clinique en psychiatrie ».